18h30, le pote quand même qui traîne, c'est Benoît qui l'a pas fermé comme d'habitude. Sinon ça va, le reste, toujours pareil. L'entrée, ça va bouger. Le salon, tiroir ouvert, le papier est sorti. Les couettes, les coussins, allez hop. Oh bah là qui va manger pizza ce soir. Voilà, les téléphones, les télécommandes, les manteaux, voilà, monsieur est rendu travail, il a son manteau. Allez hop, ah, oh, un tiroir qui est mal fermé, c'est pas grave, je le fermerai pas. Ensuite, bon là ça a l'air d'aller. Ah, la vaisselle ouverte, pas fermée. Les mouchoirs pas mis à la poubelle. Bon, sinon ça va, 18h30 ça va. Bon, je vous avais dit, les chambres ça sert à rien, je passe mon temps à les ranger, c'est toujours le bordel. Oulala. Oh bah super. Attendez, on va dans la chambre de Nono. Oh, regardez, et le petit Nono il est passé par là, là il fait comme ça, il casse tout. Il casse nous tous, Nono, c'est pas possible, il met ses voitures là. Dans le village pour les pockets. Oh ça va, c'est pas trop le bazar. Non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Le 19 février. Bon, ça va, franchement, j'avoue qu'il n'y a pas trop de bazar. Parce que j'ai dit à Benoît, oui, je range pas pendant 3 jours. Il a dit, oh non, j'ai dit, bah t'as rangé. Et je crois que ça le force à ranger. Donc voilà, bon. Le placard ouvert, le lit pas fait, les vêtements qui traînent. Il y a quoi? Il y a rien qui traîne, ça va. Ça va, franchement, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Bon, c'est que le 1er juin. La salle de bain, ça commence un petit peu à avoir du bordel. Les placards ouverts. Bon, ça, c'est moi, j'avoue. Les poupées qui traînent. Le salon. J'ai rangé mes trucs à moi, mais j'ai pas rangé ces trucs à lui. Bon là c'est un petit peu le bazar, c'est normal parce que je prépare une nouvelle création. Donc voilà. Bah ici, bah écoutez, hein. J'ai rangé les papiers pizza. Ça m'énervait. Donc voilà, les jouets, les biberons comme d'hab. Et puis la cuisine ça va aussi. Le lave-vaisselle qui est toujours ouvert. Donc voilà le petit déjeuner du matin qui est pas rangé. Donc ça va, franchement ça va. Ça va.